Bonjour à tous et à toutes, je suis Luc et bienvenue pour un nouveau fan game. Alors nouveau dans le sens vidéo, mais nouveau en termes de jeu de sortie. C'est un petit peu différent parce que ce fan game est sorti depuis un petit moment maintenant. Je mettrai la date si je m'en souviens. Legend of Zelda Le Chaudron d'Or est un fan game français fait sur RPG Maker 2003 comme vous le voyez actuellement, mais qui se veut plus réflexion que action. Qui a été créé, selon ce que j'en ai lu, par un homme de plus de 70 ans pour se faire la main sur RPG Maker. Je n'ai pas vu de vidéo dessus, j'ai découvert ça un peu par hasard grâce à Ramstation. Ramstation, site de qualité lorsqu'ils mettent pas trousillion de fan game Pokémon inutiles. Du coup, allons découvrir ça, je ne sais pas à quoi m'attendre. A priori, le jeu est très long, une quinzaine d'heures selon ceux qui l'ont terminé. Allons voir ce qu'il en est. Alors, produit non lucratif, interdit de le vendre, indépendant. Ah, j'arrive pas à lire. Oui, dégage. Un graphisme son original de Link to the Past et Wind Waker, et blablabla, il se passe des choses. Alors, nous avons le temple de... Ou le château de Hyrule. Après s'être débarrassé d'Onilink, puis vaincu Ganon sur les terres de Termina, Link rangea ses armes et accessoires dans la maison de Pit. Il conserva toutefois son ocarina en souvenir. Dis-je avec la voix d'un reporter de journal. Puis Zelda, Link et Pit rentrèrent à Hyrule par le portail magique dont seul Zelda connaît le code secret. Parce que pourquoi pas? Hein. Il profitait des douces et belles journées de printemps pour se reposer et se promener dans les jardins du château. La vie s'écoulait tranquille dans le calme et la paix retrouvée. Zelda vérifiait que les trois fragments de Triforce étaient toujours en sûreté là où elle les avait cachés. Mais un matin, après une nuit d'un sommeil curieusement agité, était-ce un présage, Link fut réveillé par un appel angoissé de Pit. Alors Pit, évidemment, de Kid Icarus, très bon jeu que je vous recommande. Et on y est. Link, c'est moi, Pit. J'invite de me voir, c'est très grave. Voilà. Alors attendez. Oui, faut la paix. Alors déjà, il y a un coffre, je veux le coffre. Une bourse, 99 rubis, ok, oui c'est bon, j'ai compris. Alors, ok, je vais essayer de pas faire de conneries et d'éviter sur de plus sur tous la touche échappe. Ajoute le panneau sur le mur. Ce panneau? Non, ce panneau. Ah, échappe, sauvegarder ou quitter, espace, les réactions, ok. Pour la touche suivante, utiliser les chiffres de la rangée super du clavier alphanumérique, ok. Utilisez objet équipé, affiché à la carte du monde, inventaire, statut, horloge. Alors 2, 3, 4, 5, 6 donc. Non, ah ça. 2, 3, 4. Ok, donc ça c'est mes objets. Voilà. Ça c'est mon statut. Et ça c'est mon temps de jeu qui pourrait être pratique pour ceux qui veulent speedrunner. Donc là je sors, je vais voir Pit. Ganon tente de revenir, elle détient la princesse Zelda prisonnière dans les cachots du château. Le sage Sahasrara souhaite te voir avec tes armes. Mais viens chez moi, nous serons mieux pour parler. Oh, il y a une herbe. Je veux suivre Pit. Oh, pas juste. Je te vole. Non, je veux te voler. Tu as trouvé un petit cœur et permet de restaurer une demi-lune, tu en as besoin pour cela. C'est bon à savoir. Plouk. Un rubis. Un rubis bleu, 5 rubis en jeu, des rubis, 20 rubis. Et les violets, une valeur précise à chaque fois. D'accord. Je n'ai toujours pas la carte, ok. Bon, parlons à Pit. Zelda connaît les cachettes des trois fragments de Triforce. Ganon va tenter de l'hypnotiser pour la faire parler. Elle est aussi la seule à connaître le secret qui ouvre le portail qui mène à Termina. Termina, évidemment, Majora's Mask. Tu ne peux donc pas récupérer tes armes chez moi, tu dois informer le sage Sahasrara de cette situation. Aghanim n'a pas encore lancé ses monstres à l'assaut d'Hyrule.
Ça ne saurait tarder, mais il a déjà fait pousser des salades rouges empoisonnées et des champignons vénéneux qui peuvent te rendre malade. Personne ne connaît l'effet produit par les salades bleues. Par contre, chaque salade verte te donne un parchemin sur lequel t'écris BAPM. Ok. Essaye d'en ramasser un maximum, te seront très utiles à ce voyage. Il y a justement dans ce coffre une pochette qui va te permettre de les ranger. Tu vas manger la salade verte près de la barre de ma maison. Enfin, je te rappelle que la touche espace permet entre autres de soulever des objets. Vas-tu résumer de tout ceci? Non. Mon courage. J'ai une pochette pour ranger des BAMP. C'est bien passé, un peu comment. Fermeture. Ah, c'est ça le progrès. Le progrès. Donc, ça. Ok, donc ça c'est poison. Parchemin bleu, il vaut 2 BAMP. Les rouges vaut 4. Chaque salade verte mangée donnera un BAMP. Ok. Ok. Ça m'a l'air simple pour le moment. Maison du sage. Eh bah, à l'est. Eh bah, go à l'est. Tiens. Ah, ok. Bon, je pense que je me suis pris à peu près tout ce que je peux me prendre en termes de manus. La petite t'a expliqué la situation. Elle est détenue par Ganon. Mais il aurait lancé un sortilège qui bloque l'accès au château. Mais tu devrais vérifier, je suis vieux. Tu dis que seule Zelda peut ouvrir le portail qui mène à Termina, ou tu vas laisser ton équipement? Non, oh, quel connard, Sonic. Il me vient une idée. Parlons, bah. Avec le sorcier, l'espoir, l'ancienne, magique. Force. Je suis certain que tu m'as compris, et je te fais confiance. Tu vas promettre à sa chérie, c'est ton courage. Va voir Germaine, la magicienne, pour essayer de mettre en œuvre ce plan. C'est notre seul espoir. Apparemment, va dans ma chambre, tu trouveras une carte. Ah, la carte, la fameuse carte. La partie concernant le désert de Parappa. Parappa, le rappeur. Ma petite référence, on est assez sympathique. Est approximative. L'homme que j'ai envoyé pour faire les relevés n'est jamais revenu. Il est sans doute mort. Alors, les conseils, garde attentivement tous les panneaux que tu verras. Et parle à tous les gens que tu croiseras. Certains te dévoileront les informations qu'après plusieurs rencontres. Et c'est un peu chiant, ces gens. Un petit rubis rouge. Oui. J'ai une carte du royaume. Elle t'aidera à trouver ton chemin. Appuie sur 3. Uniquement à l'extérieur et sur espace. De même, l'horloge du temps. Appuie sur gauche 6 pour consulter, puis sur espace. Donc, du coup, 6. Ah, d'accord. Faut que je sois dehors. Terminer ta quête sans obtenir certains objets facultatifs. Mais si tu veux obtenir un 100%, le fameux 100% des vrais gamers, tu dois trouver tout en particulier, vider tous les coffres, quel que soit leur contenu. Yes! Ah, allez. Hop, je prends ça. Donc là, le but du jeu, c'est de ramasser toutes les salades du monde. Et aussi de me refaire une santé. Alors, du coup, 6 total, ça fait 5 minutes, ok. Ça, c'est mon équipement, on est d'accord. Ça, c'est mes objets. Et ça, c'est la carte. Ouf. Oh là là, grosse carte. Là, on est sur un truc un peu ambitieux. Ce qui me plaît déjà. Et 2, c'est censé être, je sais pas quoi, attendez, 3, 4, 5, 6, ouais, 2, c'est censé être mon statut. Alors, là, c'est des maisons. Alors, j'ai quand même un peu exploré, musée des caves. Je ne peux, ok, je peux pas entrer. Je vais sans doute avoir des problèmes avec les musiques. Ce qui est normal, écoutez, mais bon. Mais bon, j'ai la passion, hein, je ferai avec. Ah, mon dieu, des cailloux. Oh non. Les cailloux, la seule faiblesse de Link. Ah là là. Pardon, excusez-moi, j'ai pas lu le panneau. Vers le château d'Hyrule. Ah, attendez. Passage des champs mystérieux. Ça, c'est des trous, je ne vais pas me risquer dans les trous, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Passage des champs mystérieux, ok. Ok. Ça, qu'est-ce que ça, ça doit être pour l'Ocarina, je pense. Château d'Hyrule. Ok, jusque là, ça se tient. Ça sera la raison, le sortage de Ganon bloque l'accès au château. Ah. Donc, il faut que je aille au désert. Donc, le désert, la carte. Je suis là. Il faut que je aille. Que je sais pas où que j'aille. Donc on va un petit peu explorer déjà le jeu. Pour le moment,
Il y a peu de personnages, donc je ne sais pas trop quoi faire. Ça va être un petit tour d'horizon, ça, je pense que ça va faire... bah tiens, on va aller à l'autre droite. On va faire un petit tour d'horizon, je pense, en 20 minutes environ. Oh, regardez-moi ça, c'est... J'ai pas fait exprès. Oh, ah, mais c'est piégeux! Ah oui, d'accord. Ok. Donc, faut vraiment y aller doucement sur les déplacements. Parce que là, j'ai plus qu'un demi-cœur, je vais sans doute mourir à un moment. Je l'aurai sans doute cherché. Là, qu'il y a village Cocorico. Oh, il y a un fragment, il y a un quart de cœur. Ah, non! Non! J'ai un quart de cœur. Bon, il y a un quart de cœur qui est ici, vous le saurez. Et là, il y a un petit caillou que je ne peux pas lire parce que bloqué par cette pierre. Wesh. Il dort, non. Et des ennemis. Non, merci, messieurs. J'ai pas l'épée. Je tiens à dire que là, je suis à poil. Hein. Et être à poil. Hop. Ah, voyons. Là, ça va être le village Cocorico. J'espère que c'est le village Cocorico. Ah. Ah, non, je peux pas. Je peux pas. Ok. Donc, j'en déduis que c'est pas là où je dois aller. Je fais les déductions. J'essaye de pas m'en prendre plein les dents parce que un demi-cœur pour tout le jeu. Je vous avoue que c'est ballot. Alors, au nord, bois perdu, parapa. Au nord, nord-ouest. Ok. Ok, en douceur. En tout. Oh, oh, c'est salaud ça, madame la juge. Ah, c'est salaud ça, madame la juge. Au secours. Ok. Je peux pas. Non. Je suis un peu bloqué là. Je vous cache pas que ouais. Il n'y a pas moyen de récupérer des points de vie quelque part. Si, je pense qu'il y a moyen de récupérer des points de vie. Donc ouais, faut vraiment pas faire le con avec, avec sa vie. Est-ce que les pots réapparaissent? Oui. Un ruby. Cool. M'en fout. Donne-moi un quart de cœur. Parfait. Du coup, je vais continuer. Ah! Oh non! Ah, j'ai fait le con. Est-ce que j'ai complètement fait le con? Ouais. Ah, ça réapparaît vraiment pas. Donc, faut vraiment, vraiment pas faire le con. Voilà, donc ne faites pas comme moi. Ok, alors. Il faut réfléchir. Trouver le chemin le plus optimal. Bon, là, je me la prends. Ok. 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 En douceur. Ok, ok. Là, il y a un mec. Si tu réussis à manger toutes les salades de cet enclos sans perdre de vie, tu gagneras des bumps et je t'apprendrai quelque chose d'utile. Le jeu coûte 15 rubis et un pain. Bah non, j'ai pas de pain. Ouais. Ah non, 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 non. Ok. Donc ouais. Je vais tenter le jeu quand même. Hein. Il n'a pas assez. Ah non. Ouais, je suis déjà bloqué. C'est cool, hein, d'être bloqué. Ok, donc pas ici. Ah, c'est vraiment de la réflexion, je déteste ça. Alors, ici, qu'avons-nous? Ah bah, Germaine! Bonjour, Germaine. Et ça, j'ai raison, la recette d'une potion qui donne une force surhumaine transmise dans ma famille, ouais. Le druide Passagix. Alors, créer des bagarres entre les liens, les faits l'ont rendu impropre à la consommation. Quelle idée bizarre, oui, les créatures du monde des pour en prendre, mais leur force est déjà énorme. Je ne peux pas te faire de potion pour elles. Link, qu'est-ce qui sera là? Je te téléphone par ton idée risquée, mais je vois pas d'autre solution.
C'est vrai que j'ai gagné le jaloux, je te donne mon accord pour la potion. Alors, je dois me trouver champignon magique. Ok. Donc on fait demi-tour. Ah, il y a des portes ouvertes là. Il y a une porte ouverte là. Bah, ah tiens. Ah. Donc je passe pas, c'est une antiquité du coin dans Tombe de Darunia. Mais nique-toi. Bonjour, je suis une mère de cette cité à sortir. Je semble interdit d'entrer du château. Ouais, là. D'accord. Oui, des délibérations de conseil. Toujours équilibré au niveau touristique. Je sens que ça, ce jeu va vite. Je pense que pour finir la vidéo, je vais crever comme une grosse merde. Et puis ce sera aussi bien comme ça. Ah, petit pot. Petit pot, petit cœur. Non. Ouais, c'est bon, on a compris. J'ai trouvé un rubis. On va voir le forgeron, il pourra te fabriquer le chaudron, mais je devrais probablement le porter le minerai d'or. J'informerai les gardes et les chefs de la mine d'or royale afin qu'ils te fournissent ce côté d'or et serre l'entrée sur la colline du Val de Saria. Bon, au moins, je sais où aller. Donc, le Val de Saria, je pense que j'y suis déjà allé. Val de Saria, ouais, c'est ça. C'est le machin tout à droite où j'ai cru apercevoir des ennemis. Alors, pas ici, ça doit être là. Ouais, mine d'or royale. Bonjour. Le gars a minerai de fond de maison. Ah merde, faut que j'aille voir le maire, évidemment. Ça fait un peu point and click, j'aime beaucoup. Bon, c'est pas avec mon demi-cœur que je vais finir le jeu, c'est certain. Mais bon. Donc, il faut aller voir le maire. Le maire. Le maire. Le maire. Bonjour, bonjour, je suis le maire. Non, mais. Non, mais je te demande pas ça. Quel sac à mer. Bon, c'est pas là. Bah, du coup, c'est où? Est-ce que c'est la maison qui est là? Tiens, je vais essayer d'y aller. Ah bah voilà. Ah bah voilà, Léon. Ouais, cachons l'or, un morceau de cuir, je vais te faire passer un fond de triangle, je vais te donner ton fragment de fausse triforce à ton retour, faut estiquer pour qu'il brille. LOL. Mais qu'est-ce qu'il est MDR, ce forgeron. Donc du coup, là, c'est bon, faut que j'aille à la mine. Normalement. Ah, faut suivre. Faut vraiment suivre. C'est bon, oui, la mine royale. Partez, partez. Ah, voilà. Nous avons fait ta visite, tu peux entrer. Et bah, laisse-moi entrer. Donc, bonjour monsieur, je confirme ce qu'il a dit mon collègue, tu peux entrer. Et bah, laisse-moi entrer. Ah. Ok. Ok. Ok, donc premier donjon. Ok. Ok, jusque là, la première énigme, elle est simple, je vais tenter de sauvegarder, si je peux sauvegarder, ah, je sauvegarde, je ne vais pas sauvegarder, ok, bon, et ben on va pas sauvegarder, parce que j'aime prendre des risques, voyez-vous, j'ai toujours pas dit, ok, 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 donc là c'est verrouillé, ok, donc là c'est pareil, un interrupteur. J'ai pas de cœur. Donc j'ai activé un interrupteur. Ok, je peux aller à droite et à gauche. Donc droite. Ah, rubis. Rubis, ok. Rubis, s'il te plaît, merci. Et rubis encore. Pour le moment, je suis riche. Là, j'ai ouvert une porte. Parfait, donc c'est pour le coffre qui y est. Est-ce que je peux utiliser ma carte ici? Non, semblerait-il que non. Non. Ah ouais. Donc je vais tenter de récupérer le coffre qui... Je ne peux pas parce qu'il est là. Ok. Donc là, ça m'amène ici. Et ça fait libérer le passage en bas. Non, c'était l'autre bas, ok. Je peux pas y aller.
Suis-je perdu? Possiblement. Bah. Raté. Ah, ok. C'est bon, je crois que j'ai compris. Ouais, j'ai compris. Ok. Ok. Donc là, j'ai la clé. Yep. Donc la clé, je sais plus si je suis allé là. Oui, donc là c'est ouvert, c'est le boss. Là j'utilise la clé. Ah, sauf que là faut que j'active le rouge. Ok. Et là après faut que j'active le bleu, mais je pense qu'il doit y avoir autre chose. Non. La clé. Non, pas ici. Ça. Ok. Alors, ça veut dire qu'il y a autre part que je dois activer l'interrupteur. Ok, donc je suis bloqué, donc faut que je réactive l'interrupteur. Pas ici. Ça, s'il faut que je fasse une carte, ça va vite m'énerver. Donc là. Mais sauf que là, je suis bloqué. Et là, je suis bloqué. Là, je ne peux pas passer. Là, ça m'amène. Ah, là, par contre. Ah, là par contre. Ah, ok. Ok, ok, je l'ai. Ok, je l'ai. Fallait que je fasse le tour. Fallait que je fasse le tour. Si vous l'aviez trouvé, bravo. Non mais. Mais casse-toi. Mais casse-toi. Donc là, je passe. Et là, c'est bon. Ok. Un coffre, une clé pour ouvrir la porte, et toi, t'as pas l'air sympa. L'or est extrait de niveau inférieur, puis stocké dans la salle des chefs de la mine. Téléporteur. Petit cœur. T'as même pas de cœur, rendez-moi de la vie. D'accord, là il y a un téléporteur, je vais pas prendre le. Je vais le prendre. Là j'ai la clé. Ah. Encore une énigme. Ok. Oh, il m'énerve. Donnez-moi de la vie, s'il vous plaît. Please. On va aller en bas. Ah, ok. Donc là, c'est un sens unique. Là, c'est un sens unique. Ah, interrupteur. Ça change le sens. Ah, ça change l'essence même. Monsieur, bonjour. Se fait derrière cette porte protégée par la barrière. Je suis un professionnel. Je suis toujours été un professionnel, monsieur. J'ai obtenu une clé. Ok. Là, et là, je vais rechanger. Donc, c'est pour repasser de l'autre côté. Ok, sauf que je vais repasser là pour passer. Et donc, là, j'ai la clé que je pourrais utiliser tout à l'heure. Sauf que je vais par là. Par là, j'obtiens encore une clé. Ça me fait deux clés. Là, je rechange. Sauf que, faut pas que je fasse comme ça. Faut que je refasse demi-tour. Voilà, juste pour ça. Je crois qu'on va avoir un problème là. Ah non, il y a une clé là. Donc là. Ok, c'est bon. Ah, fragment de cœur. Ça, c'est cool. Et donc là. Ok. Je suis à 2%,3. Ce qui est peu.
ce qui est très peu, hein, ne nous voilons pas la face, hein, c'est pas beaucoup. Et donc là j'utilise la clé. Ok. Donc j'avais une clé pour un cœur de cœur. Why not? Là je passe. Une clé. Je change le sens. Et donc là, ça va me permettre. Ah, non, c'est pas ça. Ah bah d'accord. Ah bah il y a un coup ça marche, un coup ça marche pas. Donc cette clé. Non, c'est pas là. Donc du coup, faut que je rechange le sens. À moins que ce soit encore bloqué, ce serait marrant MDR. Ouais, bon là je suis coincé. Ah bah là par contre ça a disparu. Donc je rechange le sens. Et je fais demi-tour. La musique est très cool, hein, disons-le. Je crois que je suis au premier donjon. Ah, ça marche pas? Comment ça se fait? Ah, ok. Ah bah là oui, en effet. Ok, c'était ça. Ah, il y a un coffre. 92 rubis. Pas mal. Étage suivant. Coffre fermé, ça doit être l'or. Des bombes. Ah. Et des rebombes, ok. Alors, je suis chef de la mine du royaume, ça. Tu peux prendre du minerai dans ce coffre. Bon courage, bonne chance, sois prudent. Ok, mais je... Bon d'accord, je peux prendre deux bombes. Donc là, c'est l'or. Yes, c'est un peu sur ton chien, tu peux voir ce lingot d'or. Et je suis à 3% 5, yeah, j'avance, on avance. Et c'est tout. Tu peux dégager. Et là, c'était le premier donjon, je pense, hein, c'était pas mal. Est-ce que tu... Ah putain, non, dégage, vite, s'il te plaît. Et ben c'était très cool, hein. C'était sympa. C'était le... Je pense que c'était le premier donjon facile qui nous met dans l'ambiance. Qui nous va... Bah, qui va nous montrer un peu ce que sera la suite. Donc on va continuer un petit peu. Alors, je prends ça la fausse triforce sur... Tu peux prendre ta fausse triforce sur la table. Ok. Et lui, bah, il revient. Donc avec ma force, fausse triforce, je vais y arriver à supprimer ça. Alors, je le parle par des bugs, non, je vais chercher. Ah, tu as la fausse triforce, va vite voir gagner mon château pour mettre en œuvre ton plan, il est au rez-de-chaussée, t'en es. Ok, donc déjà je vais... C'est pas ça. C'est... Non, c'est pas ça, je pense qu'en 25 minutes on est bien. Voilà, sauvegarder. Fichier. Je continue un petit peu et puis je pense après je vais arrêter parce que bon déjà le début a été un petit peu chaotique, je le reconnais, mais franchement ça va, le jeu est très sympathique, il va être linéaire certes, mais les phases d'énigmes sont très très cool. On va juste parler à Ganym, on va attendre un moment opportun, propice. Donnez-moi de la vie, merde. Ils vont jamais me donner de vie. Ah. Ah, yes. Des énigmes. J'adore ça. Ok. Ah bah du coup, je récupère un coffre qui contient une clé. Comme quoi, aller à droite, c'est toujours utile. Retenez ça, les enfants. Ça pourrait être utile dans ma vie. Ok, bon, moi ce que je pense qu'on va s'arrêter là, parce que ça fait une petite demi-heure que j'enregistre. Du coup, eh ben ce Zelda, eh bien, je le trouve très sympa, hein. Je pense que j'ai rien à dire dessus. Le côté un peu énigme est très, très sympathique, c'est beaucoup mieux. Comme vous le voyez, il y a moins d'action, beaucoup moins, il y en a quasiment pas, je pense, de tout le jeu.
Cependant, le jeu est très sensible. Il n'y a pas besoin de faire une touche d'action pour activer les salades ou les dialogues d'un personnage ou autre chose qui fait que dans certains cas, ça peut être vraiment frustrant de mourir alors qu'on n'a rien fait, juste parce qu'on est un poil trop loin. Dans la description, vous trouverez le site pour pouvoir télécharger le jeu. Quant à moi, merci d'avoir regardé la vidéo. Et bien, si ça vous a plu, si vous avez déjà joué au jeu, ou si vous avez un fan game à me conseiller, je vous invite à le mettre en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, et à regarder un peu ce que je fais d'autre. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour un autre fan game ou une autre vidéo.